Salut les patouilleurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Open the Box qui sera consacrée au jeu Infinity Code One et plus particulièrement cette boîte Opération Karlstrom, donc la boîte de démarrage pour deux joueurs qui voit s'affronter les panocéaniens contre les Yujing. Vous voyez le Battle Pack pour deux joueurs. Je vous ai déjà parlé du jeu Infinity sur ma chaîne, notamment lorsque j'évoquais le jeu Aristeia, puisque Infinity et Aristeia, c'est le même créateur, le même éditeur, à savoir Corvus Belli. À l'heure où je tourne cette vidéo, la version 4 d'Infinity vient juste de sortir, mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas la version N4, c'est la version simplifié, on va en reparler dans cette vidéo, donc du jeu Infinity et qui s'appelle, donc vous l'avez compris, Code One. On a donc ici une boîte de démarrage qui est parfaite pour se lancer dans Infinity Code One, soit tout seul, et dans ce cas-là, ben, vous pourrez jouer avec l'une ou l'autre des factions, soit vous êtes deux, et dans ce cas-là, il faudra choisir votre faction préférée. Donc, alors, flippez pas, tout est en anglais, tout simplement parce que j'ai fait super boulet, j'ai commandé la boîte en anglais. Donc, au passage, un énorme merci à Légion Distribution qui a traduit tout le contenu de la boîte et qui m'a fourni tout le contenu en français pour que je puisse vous le présenter. Donc, quand vous achèterez votre boîte en français, il y aura un petit macaron français. Donc ne flippez pas si vous n'êtes pas un pro de l'anglais. Maintenant, tout est en français. À l'intérieur de la boîte tout nette, vous allez trouver cette figurine panocéanienne et cette figurine Yujing. Le détail est juste là, mais ça, on le reverra au cours de la vidéo. Vous allez aussi trouver un tapis de jeu, plein de décors et du matériel de jeu, donc des gabarits, les silhouettes, les réglettes, quelques tokens, des dés, etc., etc. Toute la liste est là. Donc, on va évidemment voir tout ça ensemble. Donc, pour deux joueurs, la partie dure de 30 à 60 minutes. Ok, quelques mentions légales. Et on est bien. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous trouverez cette boîte pour 109,95 € sur le store de Corvus Belli. Et de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je rectifierai dans la description. On doit être à 99,95 € sur le site Philibert. Comme d'hab, tout ce que je présente dans la vidéo, c'est renoté dans la description si vous voulez retrouver les liens et les produits super facilement. Voyons maintenant ce que contient concrètement notre boîte. Alors c'est costaud, c'est du carton bien solide, c'est cool. Hop là, c'est super lourd. On en a pour 16 euros en termes de contenu et en termes de poids. Donc, on commence par plein de figurines en métal. Je vous ferai un petit focus tranquillou dans la suite de la vidéo. Je le répète souvent, les figurines Corvus Belli, les figurines Infinity, pour moi, c'est les meilleures figurines qui existent sur le marché en métal. Donc à mon avis, je vais pas être déçu. Des socles, du dé bleu pour la panocéanie et du orange pour les Yujing. Ensuite, une petite pub pour Aristeia. Aristeia, je vous en ai beaucoup parlé sur ma chaîne l'an dernier. C'est vrai que là, j'ai fait un petit break un peu forcé à cause du Covid, mais ça reste mon gros coup de cœur, mon gros chouchou sur tous les jeux que j'ai testés ces derniers mois, ces dernières années, ça reste Aristeia, mon jeu préféré. Donc, il reviendra sur la chaîne, d'autant que la version multiplayer vient juste de ressortir. Donc, vous reverrez du Aristeia sur ma chaîne, sans souci, juste un petit peu de patience. Le livret d'introduction en français, chouette. Donc ça aussi, on fera un petit focus avec le setup un peu plus près. Et c'est ça qui pèse super lourd en fait. Un pack de décors bien filmé, bien protégé. RAS, tout a voyagé tranquillement, sans dégâts.
J'ai retiré le plastique pour vous montrer ce que contient donc ce pack d'éléments de décor. On a donc les décors et les accessoires de jeu avec un beau soleil. Wow, c'est mieux, la luminosité est tout de suite meilleure hein, quand on a du soleil. Je vais en profiter pour continuer. Malin, donc de l'autre côté, on a les bâtiments qui sont faits. Vous voyez ce que ça va donner une fois que tout sera assemblé. Je vais essayer de rien péter. Ça vous fera une table de jeu avec tous ces décors-là, tout est compris. Et vous aurez une table de jeu de 60 par 80 cm avec un max de décors. Donc, on est sur du carton bien épais. Je dirais un bon 2 mm d'épaisseur. Avec la des décors, recto, verso. Donc là, je vais assembler tout ça aussi pour vraiment vous montrer ce qu'on a au final. Une autre plaque. Cool. Là, on est sur du token. Avec les marqueurs d'ordre, dont on reparlera aussi. Et quand on le retourne, c'est le marqueur inconscient. C'est que ça s'est pas bien passé. La petite silhouette. On retombe sur du décor. Ce petit vert bleuté là. J'aime. Ok. Bon, on se rendra mieux compte de tout ça quand ce sera assemblé. Ah, la petite pub. Le petit panneau publicitaire pour Aristeia. Le petit clin d'œil qui va bien, là aussi. Les couleurs sont très flash. L'impression est très, très, très propre. C'est tout ce que j'aime dans Infinity. Très manga comme univers. Très coloré. Si on aime les couleurs flashouilles, c'est du bonheur. Les réglettes qui sont là, un gros gabarit, les petites silhouettes, encore du token. Donc ça, c'est les tokens allongés. Encore du décor. Le tapis de jeu. Je vous ferai un plan large à la fin, une fois que tout sera bon, sera assemblé. Et encore du décor. Ok, cool. On peut passer sur le setup un peu plus rapproché pour zoomer sur tous ces différents éléments. Pour la suite, je vous propose de regarder ensemble le livret d'introduction. Donc on va parler règles, on va parler fluff, etc., etc. Ensuite, on verra les figurines et on finira par la boîte de jeu et les décors. Vous l'avez donc compris, cette vidéo va être un peu longue. C'est pas juste un open the box, je prends la boîte, voilà, je déballe tout sur la table et je vous montre viteuf ce qu'il y a et basta, c'est plié. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, pour ce jeu et pour d'autres. Perso, c'est pas un format qui m'emballe. Je préfère détailler, je préfère vous donner mon avis, je préfère creuser ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, etc., etc. Alors j'insiste très très fortement sur tout ce qui va suivre, c'est que mon avis personnel, voilà, il faut pas le prendre autrement. Il faut pas s'offenser s'il y a des trucs qui m'ont pas plu alors que vous avez adoré, et inversement, s'il y a des trucs que j'ai adoré qui vous ont pas plu, c'est subjectif, c'est mon avis. Donc comme ça va être un petit peu long, je vais remettre un timing dans la description de la vidéo, comme ça s'il y a seulement une sous-section qui vous intéresse, vous pourrez cliquer sur le timer dans la barre de YouTube là, pour retrouver juste la petite partie qui vous botte. Le livret d'introduction, vous avez quelque chose de souple, format A4, vous le voyez, le papier légèrement glacé, donc ça va un petit peu brilloter, je suis désolé, j'ai mes lampes là pour qu'on y voit quand même quelque chose. Donc quand on ouvre, on commence par les crédits, un grand classique, mais c'est toujours cool de savoir qui a participé au projet, et puis une petite introduction générale. Donc nous sommes 180 ans dans le futur. Les systèmes stellaires colonisés par l'humanité, collectivement nommés la sphère humaine,
ont été revendiqués par d'immenses nations interstellaires qui s'échangent des coups bas dans une guerre secrète pour contrôler le délicat équilibre des forces. Mais une menace extraterrestre venue du vide entre les étoiles menace de changer tout ça. Un grand classique du wargame, on est dans le futur de l'humanité. Tout le monde se met sur la tronche, personne n'arrive à s'entendre, et en plus on a des extraterrestres qui viennent mettre le why. On continue avec du fluff, on apprend notamment que cette boîte de jeu se passe sur la planète, ah bonjour, Svalarema, donc qui est une planète neigeuse, c'est pour ça que toutes les figurines ont des socles neigeux et des équipements plutôt chauds, et plus particulièrement dans la ville de Karlstrom. Donc la ville qui incarne le mieux ce que fut l'histoire du second établissement est Karlstrom. Initialement, c'était un centre de recherche dans une petite vallée au cœur des plaines arctiques de Trollhättan, un avant-poste temporaire de la commission de recherche. Mais la découverte d'importants dépôts de Nessium attira une nuée de prospecteurs indépendants ou d'entreprises locales. Quoi de mieux que du minerai précieux ou des matières premières précieuses pour attirer du monde et pour déclencher des bonnes bastons. Encore un peu de fluff, donc on vous explique notamment ce qu'est le Nessium. Donc là, vraiment, ceux qui n'ont pas l'habitude d'Infinity, c'est un bon fond. On a déjà un bon fond. Limite, ça fait partie des petits bémols. Je trouve qu'il y en a même un peu trop par rapport aux règles. On va en reparler. Il y a des parties de règles que j'aurais préféré voir plus détaillées plutôt que d'avoir autant de fluff. Parce que là, on commence. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, il y a déjà 12 pages de fluff avant qu'on rentre dans les règles du jeu. Dans un sens, c'est bien si vous découvrez l'univers. Dans un autre, voilà. Et parfois, moi, quand j'ai un jeu, quelques lignes de fluff, ça me suffit. Ce que je veux, c'est immédiatement voir si les règles du jeu vont me botter ou pas. Mais ça a le mérite de bien bien détailler ce qui se passe et bien bien détailler l'intérêt de cette boîte. Opération Karlstrom. Donc, vous avez ensuite un petit topo sur les différentes troupes panocéaniennes. Ça aussi, je reviendrai dessus avec tout le contenu de la boîte et le détail de tout le contenu de la boîte pour la faction Yujing. Donc, à partir de la page 16, on rentre dans la mission 1 et les premières règles. Et c'est à partir de là que pour moi, ça s'est un petit peu corsé. Je vais être super honnête avec vous, j'ai lu intégralement ce livret, j'ai pas tout compris. Loin de là, il y a beaucoup de zones qui sont restées vraiment sombres, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas compris, même après les avoir lus une fois ou deux. Mais, j'insiste encore, c'est purement personnel. Vous me connaissez, je suis vraiment un joueur très 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 occasionnel. Je peint plus que je ne joue et je savais que Infinity c'était un gros morceau. C'est pour ça que ça fait des années que je papillonne autour d'Infinity, que je m'intéresse très fortement aux figurines, mais chaque fois que j'ai mis mon nez dans les règles du jeu, ça m'a découragé et j'ai laissé tomber. C'est pour ça que j'ai sauté sur Code One quand on m'a dit voilà, il y a une version simplifiée d'Infinity qui arrive, c'est Code One, fonce, tu vas kiffer, c'est la meilleure porte d'entrée pour jouer à Infinity. Donc soit la porte d'entrée pour jouer à Infinity, si après on veut évoluer vers un système encore plus complexe, soit c'est un jeu en soi qui est simplifié par rapport à Infinity, mais je le répète, c'est une porte d'entrée, mais la porte d'entrée, elle est quand même assez costaud. Il faut pousser fort sur les battants pour l'ouvrir ou se faire aider pour l'ouvrir. Donc avant de continuer avec les règles du jeu, je vais vous donner les 2-3 pistes, les 2-3 astuces qui, moi, m'ont aidé à rester dans le jeu, à pas prendre le bouquin et y mettre le feu parce que je n'y comprenais pas grand-chose. Pourquoi j'ai insisté? Donc, il faut bien comprendre que oui, Code One, c'est une version simplifiée. Alors simplifiée, entre guillemets, c'est une version en fait qui est allégée par rapport à Infinity N4. Imaginez qu'un pote veut vous apprendre à jouer aux échecs,
Pour pas vous assommer dès le début, il enlève le cavalier, il enlève la tour. Les règles du jeu sont les mêmes, mais il y a moins de pièces, donc c'est moins complexe. Mais ça reste les échecs. Ça reste des règles du jeu qui sont, pour certains, difficiles à assimiler. Et là, on est vraiment là-dessus. Même si c'est allégé, il reste des trucs qui sont costauds. Donc, ce que j'ai fait, première chose, quand il y a des points d'ombre qui sont apparus dans le bouquin de règles, j'ai cherché dans ce bouquin d'initiation, j'ai cherché dans le livre de règles. Un énorme bravo à l'équipe de Corvus Belli, le livre et de Légion Distribution qui a géré la traduction, le livre de règles complet et accessible gratuitement et en français sur le site de Légion. Le lien dans la description de cette vidéo vous sera très très utile si vous êtes un peu paumé, parce que là, ces règles, c'est du très condensé et vous allez probablement être comme moi un peu perdu si vous avez jamais joué Infinity. Si vous connaissez déjà Infinity N4, ça passe crème. Là, vous n'avez même pas besoin de lire ça, de toute façon, vous savez déjà jouer à Code One. Mais si vous découvrez totalement le système, comme c'était mon cas, téléchargez-vous le livre de règles ou achetez-vous le livre de règles en physique et ça va vous changer la vie. Le deuxième truc pour vous simplifier la vie, c'est couillon, mais je pense que le plus simple quand on a un jeu comme ça qui est un peu dense, c'est de jouer avec un copain. J'avais lu tout ce livre, tout ce livret d'introduction, j'ai fait une partie avec un copain, tout s'est éclairci, vraiment. On s'est rendu compte après coup qu'on avait fait des boulettes. Mais au moins le jeu s'est déroulé, j'ai compris tout ce qui me bloquait, qui avait l'air super complexe, en fait ça passait tout seul. Mais entre lire quelque chose et le fait de le voir sur le tapis de jeu, le voir le dérouler avec un ami qui vous dit bah regarde c'est comme ça, c'est totalement différent et c'est je trouve particulièrement vrai pour Infinity Code One et probablement pour Infinity N4. Donc si vous avez un pote qui joue, là, c'est top. Il vous expliquera, je pense, en 2 secondes. Donc, j'ai vu après les deux parties qu'on avait fait certains trucs pas comme il faut et qu'il restait quelques points un peu sombres. Là, j'ai appelé un pote qui, lui, joue beaucoup plus souvent. C'est pareil, en 10 minutes, c'était plié. Et là, maintenant, je pense que j'ai à peu près tout compris. Si vous n'avez pas de pote, enfin, de copain proche qui joue, deux solutions. La première solution, c'est Facebook, pour le coup, il y a une communauté française qui est très 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 active et très 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 sympa, vraiment bienveillante. Vous allez sur Facebook, vous dites, ok, je débute dans le jeu, est-ce que quelqu'un peut me filer un coup de main? Je suis persuadé que dans l'heure ou dans la demi-journée, vous aurez du monde pour vous filer un coup de main et vous expliquer les règles du jeu. Donc ça, c'est la première piste, on a Facebook. La deuxième piste, alors attention, ne tombez pas à la renverse, c'est Tabletop Simulator. Je suis un grand adepte de Tabletop Simulator, même si je sais que les puristes aiment pas vraiment. Tabletop Simulator, c'est un simulateur de jeu de plateau, tout simplement, et Infinity est sur TTS. Pour moi, quand on habite dans un patelin un peu paumé ou quand on est face à une pandémie moisie qui nous pourrit la vie, et ben TTS, je trouve ça très très pratique. Ça dépanne. Je vois pas ça comme une fin en soi. Pour moi, c'est vraiment du dépannage. Ça me permet de garder la hype. Ça me permet aussi de jouer quand, dans d'autres circonstances, enfin, quand on ne peut pas retrouver les copains. Ça me permet de rencontrer d'autres joueurs qui sont à l'autre bout de la France. Je trouve ça cool. Donc les puristes, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Alors, TTS, ça a la saveur du jeu. C'est pas pareil, mais ça a la saveur. C'est comme si vous avez super envie de raclette, mais vous n'avez pas le temps de chercher l'appareil à raclette au fond de la cave, vous n'avez pas le temps de le brancher, vous n'avez pas le temps de sortir les poêlons, de les nettoyer, etc. Et bah la raclette, vous la prenez, vous la mettez au micro-ondes, et basta, vous avez votre raclette. Et bah TTS, je trouve que c'est pareil, c'est mon micro-ondes. J'ai pas le temps de mettre en place la table de jeu, j'ai pas le temps de planifier, enfin j'ai pas l'occasion de planifier ça avec les copains, le planning du copain est super compliqué, et bah sur TTS, j'ai un pote qui est dispo un soir à 20h, en 3 clics c'est installé, et on peut jouer. Et je trouve ça vraiment cool. Et ça, pour le coup, quand on a un jeu un peu cossu, et ben je trouve que c'est une super piste. Même si on se met qu'une demi-heure dessus ou que... Ouais, une demi-heure c'est bien. 1 heure,
Plus, si vous avez plus le temps, ça vous permet de bosser les petits points qui sont un peu complexes. Et après, ben, quand vous retrouverez avec joie un copain pour lui mettre en vrai sur la tronche, ce sera du bonheur. Un autre outil qui est indispensable si vous voulez vous mettre à CodeOne, c'est l'application qui a été développée par Corvus Belli, qui vous met à disposition une application pour créer votre liste de jeux, pour créer votre liste de pitou, avec tous les différents profils disponibles. C'est vraiment un support qui fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. C'est 100% complet, c'est 100% gratuit. Encore un grand merci, un grand bravo à Corvus Belli pour ce genre d'initiative, c'est top. Pour la communauté, c'est du bonheur. On n'est pas sur une demi-application comme on fait d'autres. On vous dit oui, l'application est gratuite et en fait, c'est la structure de l'application qui est gratuite et dedans, bah, vous avez que dalle. Là, vous avez tout. Vous rentrez en fonction de votre faction, vous allez sur l'application, vous sélectionnez les pitous, ça vous calcule le nombre de points, vous voyez les options d'armement que vous pouvez mettre, etc., etc. C'est du bonheur et ça simplifie vraiment la vie. Donc encore merci à Corvus Belli pour cette initiative, c'est vraiment cool. Vous avez bien évidemment aussi YouTube qui peut vous aider pour la découverte de CodeOne. Si vous êtes très à l'aise avec l'anglais, il y a déjà beaucoup beaucoup de contenu en anglais sur CodeOne. Si vous préférez du français, je vous conseille très fortement les excellentes vidéos de Papa Wargamer qui publie beaucoup de contenu sur CodeOne et du contenu de qualité. Il y a eu une vidéo d'introduction, il y a eu trois vidéos pour vous expliquer les règles. À chaque fois, c'est des vidéos assez courtes, donc c'est pas imbuvable. Ça se regarde facilement, c'est super pédagogique. Et il y a ensuite des rapports de bataille quand vous aurez bien intégré les règles. Donc c'est vraiment une chouette chaîne que je vous conseille. On sent qu'on a affaire à un passionné qui a envie de partager, qui a envie de s'amuser quand il tourne ses vidéos. Donc c'est vraiment cool. Je vous renote comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, tout ça c'était les pistes que je vous proposais pour vous simplifier l'accès à CodeOne. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont venir au cours de la vidéo. Donc peut-être que je ferai des petits inserts ou des petits rajouts. Et si vous aussi vous avez des pistes ou des astuces ou des liens à conseiller pour les débutants à CodeOne, n'hésitez surtout pas à les renoter dans les commentaires de cette vidéo, ça sera super utile. J'essaierai de les faire remonter en top commentaire pour que vous puissiez tous les voir super rapidement. Revenons maintenant à notre mission 1. Donc, dans le livre d'introduction, vous allez avoir 5 missions de difficulté croissante. Dans la première mission, donc on vous explique vite fait les règles du jeu, on vous propose une carte et vous pourrez jouer seulement les fusillés pour la Panocéanie et les Sanchi pour les Yujing. Dans la mission 2, vous aurez accès au lieutenant. Mission 3, il y aura d'autres armes et d'autres compétences, etc., etc., jusqu'à la mission 5, où vous aurez accès à tout et normalement, vous saurez jouer. Normalement. C'est là aussi que ça se corse un petit peu et c'est là, je pense, le bémol. Le plus gros bémol, je pense que c'est cette mission 1. Il y a une volonté de condenser les règles, ce qui est normal, c'est une boîte d'initiation, mais pour le coup, là, je trouve ça vraiment condensé. Et clairement, cette mission 1, j'aurais bien vu 3-4 pages de plus, quitte à virer, comme je vous le disais tout à l'heure, 3-4 pages de fluff. Parce que là, quand on découvre le jeu, qu'on n'a jamais touché Infinity, et bien ça pique un peu du nez quand même. Enfin, vous allez le voir, il y a des trucs, moi, j'ai pas compris comment les utiliser. Donc ça commence plutôt gentillet. On vous détaille les profils. RAS, très sympa. Le jeu se joue en centimètres. Je vous montrerai le matériel de jeu. Vous avez des réglettes soit en pouces, soit en centimètres. Donc tout a été converti. Niveau confort de jeu, c'est très 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 agréable. Les lignes de vue, là aussi c'est un peu succinct, mais on s'en sort. Les jets de dés, donc on joue avec des dés 20. Les 3 dés Yujing et Panocéani suffisent. Ce qui est fourni dans la boîte, là, ça suffit pour commencer à jouer sans aucun souci. Initiative et déploiement. Alors, là, on vous parle aussi de la séquence de jeu. Donc, on est sur un jeu au
tour par tour. Le joueur 1 va déplacer toutes ses figurines, enfin en fait va dépenser tous ses ordres, on le verra après. Et le joueur 2, il n'est pas appelé le joueur passif, il est appelé le joueur réactif. Donc vous avez le joueur actif et le joueur réactif. Et ça, c'est un truc très 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 important. Le joueur 1 va dépenser ses ordres et le joueur 2 va pouvoir faire des auras. Pour moi, les auras, c'est le point clé et le point vraiment super intéressant à Codouane. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne, je préfère vraiment les jeux avec une activation alternée. Je trouve ça plus dynamique. Là, on est sur du tour par tour, mais grâce aux auras, le joueur qui est pas, enfin, qui est pas actif, mais on va pas dire passif, il peut réagir. Concrètement, le joueur actif va déplacer une figurine et pendant ce mouvement, le joueur réactif a une ligne de vue sur la figurine qui se déplace. Et ben plutôt que de la regarder se balader tranquillement en lisant un bouquin, et ben on va pouvoir déclarer une attaque de tir, une attaque de corps à corps, une attaque d'esquive. Donc on est toujours dans l'action, on est toujours dans la décision, on a toujours quelque chose à faire. Le seul truc qui me dérange vraiment dans ce bouquin, c'est que pour moi, donc les auras, c'est le point clé. Et on n'a que ça. On en reparle dans la suite, mais niveau vraiment détail, on doit se limiter à ça. Et du coup, quand on joue la mission 1, et ben on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. On a un petit schéma qui vous dit, voilà, on va bien réagir, on va pas juste se faire canarder. Mais c'est tout. Donc là, c'est vraiment dommage si un jour ce livre de présentation, ce livret d'introduction est réécrit. Ce serait vraiment cool, je pense, d'insister un peu plus là-dessus, de donner plus d'exemples et de donner un peu plus d'importance à cette partie qui fait toute la saveur et tout le dynamisme du jeu. Donc les auras, je suis allé voir dans le livre de règles, j'ai compris comment ça fonctionnait. C'est quand même assez complexe, c'est une histoire de timing qui est pas simple à appréhender dès le début. Et c'est grâce à l'ami Sébastien que j'ai eu au téléphone que j'ai réussi à vraiment appréhender le truc. Et voilà, ça roule tout seul et c'est vraiment du bonheur. C'est agréable de pouvoir réagir quand le copain en face déclare une action plutôt que de juste attendre que ça se passe. Ensuite, on vous parle des mouvements. Alors là aussi, je trouve ça un peu l'age, parce que vous allez le voir dans la boîte, il y a des très jolis décors. Et là, on a l'impression qu'on peut les escalader, mais on parle seulement. Enfin, vous voyez, on vous parle d'une échelle. Alors, clairement, moi, je me suis dit, ok, est-ce qu'on peut monter sur les bâtiments uniquement quand il y a une échelle? Est-ce qu'on peut faire n'importe où? Est-ce qu'on peut grimper? Je ne le savais pas. Pareil, en lisant le livre de règles, j'ai vu qu'il y avait des mouvements d'escalade par exemple, donc on fait pas n'importe quoi, mais avec juste cette mission 1, ben on reste un petit peu sur sa fin. Les jets d'attaque, ça ok, RAS, j'ai bien compris comment ça fonctionnait, les jets de sauvegarde, ok, et là on vous présente la mission. Donc voilà, j'aurais aimé que ce soit un peu plus détaillé là pour le coup, surtout la mission 1. Sur les missions suivantes, ça s'enchaîne assez bien puisqu'on rajoute que des petites compétences. J'ai moins galéré, mais voilà, la mission 1, pour moi, elle aurait mérité d'être un peu plus détaillée que ça, quitte, je le redis, à rogner un petit peu sur le fluff et sur l'introduction, s'il y avait, dans le cahier des charges, ben, une notion de taille de livret, s'il ne fallait pas dépasser une certaine taille. Donc, dans la mission 2, comme je vous le disais, on va rajouter les lieutenants. Ce qui va faire changer les gestes d'initiative, en l'occurrence. On verra aussi l'esquive plus 2 centimètres et une arme spéciale. Ok. Donc à chaque fois, pour jouer la mission, j'ai oublié de le dire dans la précédente, vous avez un plan bien détaillé, bien fichu, qui vous montre où placer les bâtiments avant de jouer. Donc ça c'est cool. Je ne vais pas vous faire toutes les missions, on va pas détailler à fond. Là, on introduit le camouflage et d'autres figurines encore. Donc le chevalier de justice, le Daofei. Dans la mission 4, on va vous parler des gabarits et des silhouettes de figurines. On introduit également de nouvelles armes. Et dans la mission 5, on est full faction. Normalement, vous jouez avec toutes les figurines qui sont fournies dans la boîte ounette. Vous aurez ensuite quelques explications pour aller
encore plus loin. Une fois que vous aurez fait vos premières parties, vous aurez compris, on vous propose des renforts, on vous propose des profils supplémentaires, on vous conseille un petit peu, on vous guide gentiment pour voir comment vous pouvez renforcer vos deux factions. Vous avez de nouveau les profils. Ok. Une petite section bien sympatoche pour l'amoureux de figurines que je suis, qui vous détaille comment préparer vos figurines et qui vous propose un petit guide de peinture succinct, mais voilà, ça a le mérite d'être ici. Ça mérite de vous faire un petit quelques étapes de peinture et de vous conseiller sur les couleurs à utiliser si vous voulez faire la même chose que dans la boîte. Donc ça, c'est une bonne initiative aussi, je prends. Et un truc intéressant pour finir, c'est ça. Donc Infinity, j'avoue que quand je m'y suis mis, eh ben ça m'a un peu fait flipper parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses pour moi. Enfin, je m'en sortais pas, je savais pas ce qu'il fallait acheter. Il y a tellement de profils, tellement de compétences, tellement de figurines qu'on ne sait pas ce qu'il faut. Avec Code One, ils ont simplifié ça. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Je trouve que c'est une super initiative. En fait, à chaque fois, vous aurez, on va dire, des figurines de départ, des actions pack ou les figurines que vous avez dans les boîtes de base. Et pour chaque faction qui se jouera. Alors, pour l'instant, il n'y a que 4 factions qui sont présentes dans le jeu. Je ne sais pas si les autres feront aussi leur apparition. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a que 4. Là aussi, ça allège un peu le système, ça allège le nombre de profils. Je trouve ça pas plus mal. Alors, je me doute que ceux qui jouent déjà les autres factions dans Infinity ou qui avaient un gros coup de cœur pour les autres factions ne seront pas ravis, mais je suis persuadé à 100% qu'il y aura bientôt des listes fan-made. Peut-être que ça existe déjà pour pouvoir jouer les autres factions dans le jeu. Donc vous aurez les boîtes de base que vous pourrez ensuite booster avec du support pack, des remote pack, des tag pack, etc., etc. Alors je vais juste jeter un œil dans le livre de règles parce que j'ai un doute. Je me suis fait un petit cadeau. Ouais, hop là, j'ai bien fait. C'est encore plus parlant là-dedans. Donc vous voyez, il y a déjà eu des sorties et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a eu encore plus de sorties dans ce diagramme. Donc, ça c'est une super initiative parce que pour le coup, vous n'avez pas à réfléchir 3 heures sur ce que vous devez acheter, ce que vous devez avoir dans votre faction. Vous suivez ça, vous prenez éventuellement les renforts qui apparaissent, s'ils vous plaisent ou si vous voulez les jouer, et bah, vous n'êtes pas perdu sur le site de Corvus Belli ou dans votre boutique locale préférée. On va maintenant s'intéresser aux figurines. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis un grand grand fan des figouses Aristeia et Infinity. Il y a eu déjà pas mal d'open the box, pas mal de présentations. Et je le dis à chaque fois, les figurines Infinity, pour moi, c'est le top en termes de gamme métallique à ce jour. Perso, j'ai pas encore trouvé mieux. J'ai déjà un petit peu regardé les figurines, ça se confirme. Donc je vais passer assez rapidement sur les pitous. Je vais quand même vous les montrer tous un par un. Vous le voyez, on les reçoit à chaque fois dans des sachets individuels avec un numéro de SAV si un souci. Et chez Panocéanien, j'en ai vu une, la plus grosse qui est là, qui arrive dans 2 sachets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figurines. On est bon. On commence donc avec la Panocéanie. Un truc que je trouve très très sympa dans le livre de règles, c'est qu'on a des visuels costauds. C'est gros, c'est de très bonne qualité. Là, les photos sont de très bonne qualité, donc pour l'inspiration, pour la peinture, c'est top. Et vous avez à chaque fois le nom des pitous. Quand on se lance dans un univers avec des figurines qui ont des noms parfois un peu particuliers, alors c'est moins le cas côté Panocéanie, c'est un peu plus exotique côté Yujing, mais là au moins en un coup d'œil vous savez ce que vous avez. Donc là c'est les 3 fusillés, et c'est bien pratique parce que dans la suite du bouquin on vous parle de fusillés, et ben, si vous connaissez pas ce que c'est, ben, vous êtes bien emmerdé. Donc les fusillés de la Panocéanie, on en a 3. Le premier, il est là. Qu'est-ce que j'ai fait de son bras? Il est là. Hop. Alors vous allez le voir, c'est assez variable en termes de facilité d'assemblage. Celui-ci, il y a une grosse clé ici, un gros puits ici. C'est fait. Un petit point de colle ici, il n'y aura même pas besoin de tiger. Là, c'est fait en 2 secondes. Et c'est
très 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 détaillé. C'est magnifique. Même pour de la troupaille de base, franchement, le métal est top. C'est pas piqué du tout. Je vois même pas la ligne de moulage. Non, non, je vois pas où elle est. Bon, en cherchant bien, je finirai par la trouver, hein, mais là, au premier abord, je la vois pas. Donc, ouais, vraiment, vraiment, c'est beau. Hein, j'adore. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième qui est là, avec le bras tendu. Là aussi, une grosse clé. Et là, ça va se faire en 2 secondes aussi. Hop là, top. Ça, je kiffe. Vraiment, quand l'assemblage se fait comme ça, c'est du pur bonheur. Cool. Et la demoiselle, avec un très joli visage. Ils ont tous les petites lunettes qui vont bien, là. Vous voyez. Donc la demoiselle. Hop là, le focus. Donc elle va être un peu plus galère à assembler. Parce que, alors vous voyez, ça arrive sur une grappe comme ça. Il faut surtout pas faire ce que je fais. Il faut avec une petite pince couper proprement. Ouais, je vais arrêter de faire ça parce que je vais faire un gros trou au niveau du coude. Avec une pince, là, clac, vous coupez proprement. Donc celle-ci, on a les deux bras qui sont séparés. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais on a quand même, vous le voyez, des clés là qui devraient vous guider. Ça, les toutes premières figurines Infinity que j'ai achetées vraiment au lancement du jeu, elles étaient comme ça aussi, avec les bras séparés. Mais il n'y avait pas ces clés-là. C'était un enfer pour aligner les deux parties, pour aligner les bras. Là, normalement, avec ces grosses clés, ça devrait passer tout seul. J'ai toujours un peu plus de méfiance, enfin de doute sur la solidité. Donc celle-ci, peut-être que je tigerai au moins ce bras-là, pour être sûr que ça bouge pas. En tout cas, c'est très 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 joli. On continue avec ce petit gars, donc infirmier de l'ordre de Saint-Lazare. Là, il y a beaucoup de fluff hein, qui concerne cette figurine et son ordre. En termes d'assemblage, il y a un peu plus de job. On a les jambes, mais là aussi, vraiment, ça s'assemble très facilement. Tac, voilà, c'est au cordeau. Donc, on a ça. On a le bras qui va là. Et l'autre bras qui va de l'autre côté avec le fourreau de l'épée qui pendouille. Bon. Sur le principe, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plus de pièces, mais vous le voyez, ça s'emboîte tellement facilement et tellement parfaitement que c'est du bonheur. Là, il n'y aura même pas besoin de reboucher les trous. Non, c'est très très malin. On a une petite ligne de moulage là-haut. Mais j'arrive même pas à la filmer. C'est top. Est-ce que je vais pouvoir vous faire un focus sur le visage? Ouais, joli. Un joli drapé, une petite barbichette, une grosse épée, un petit pétoir. Que demande le peuple? Vous avez ensuite le Noken, ou Noken, on va dire Noken, équipe spéciale d'intervention et reconnaissance. C'est mon premier coup de cœur de la boîte. J'adore cette figurine. Il y en a une autre que je kiffe, qu'on verra plus tard. Très 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 jolie. J'adore la pose, j'adore l'armure, j'adore ce casque avec les quatre optiques. Là, je vais peut-être mettre le focus en libre, ce sera plus simple, plutôt que de retoucher à chaque fois. Donc, on a de nouveau le corps, les jambes, et vous avez les deux bras qui sont séparés, qui vont s'assembler très facilement grâce au système de montage qui est très très malin. Celle-ci, je l'adore, ce sera une des premières à passer sous les pinceaux. Café de détail, une pose bien dynamique. Quand je vous dis que cette qualité, vous voyez, les mini doigts là, tout est bien moulé. Alors, on a un peu plus de boulot là, débarbage sur celle-ci, il y a un peu plus de gratouillage à faire. Avec une petite lime ou du papier de verre fin. Mais ça reste quand même très très beau. Ok? Ensuite,
Ça se complexifie un petit peu avec le troupe orc que vous avez là, donc qui se présente en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Et notamment ces deux-là que j'ai un petit peu galéré à assembler. Dans un premier temps, alors quand je calais bien à l'arrière, donc là reste à l'écran, et quand je mettais bien comme ça, je me retrouvais avec un gros trou ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une pince et j'ai un tout petit peu forcé comme ça pour resserrer la cuisse, pour que la cuisse revienne comme ça sur l'intérieur. Et là, normalement, on n'est pas trop mal. Voilà. Quitte à remettre, je remettrai peut-être un petit peu de pâte à sculpter là pour que ce soit vraiment nickel. Mais voilà, on est comme ça. Donc un tout petit peu plus exotique. Le reste, ce sera une formalité avec les deux bras. Et bon, j'ai libéré le focus, c'était peut-être pour l'idée du siècle. Allez, fais un effort, petit père, merci. Et voilà. Ça, pour le coup, ça rentre vraiment tout seul. Vraiment, joli aussi. Donc là, on retrouve l'équipement spécial neige, hein, vous le voyez, avec le petit manteau, la petite moumoute qui va bien. La cape là, qui est bien dynamique à l'arrière. J'aime beaucoup leurs drapés, pour le coup ils sont assez naturels. C'est pas du drapé coupé à la serpette hein, avec des angles très étranges et qui n'existent pas. Là on a vraiment quelque chose de souple, on voit, on sent le manteau qui vole au vent. C'est naturel, c'est bien fichu. Et la sculpture est vraiment top, donc à peindre, le pinceau glisse tout seul dessus. Et on termine par le gros morceau, le chevalier justicier des ordres militaires. Belle bête, très 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 dynamique, hein, les jambes bien écartées, avec un beau mouvement de cape, un beau mouvement de bras. À l'assemblage, c'est aussi celle qui pique un peu le plus. On est de nouveau sur 1, 2, 3, 4, 5 pièces, plus le socle, le petit morceau de glace là, qui vous permet de bien écarter les jambes sur le support, et au moins ça tiendra, c'est nickel. Vous avez les deux points d'insertion des pieds qui sont là, donc ça ne bougera pas. Un là, un là. Ces petits points qu'on retrouve sous la première botte et sous la deuxième, dès qu'on aura retiré cette vilaine carotte. Donc là, c'est un peu plus chaud à assembler, mais ça rentre bien. J'ai fait l'essai à l'instant. Ça va. Nickel chrome. Ensuite, on met la tête. Alors, ça va pas rentrer parce que là, j'ai une carotte à virer avant. Mais la tête viendra comme ça. Le premier bras, il est là. Et le deuxième est déjà là. Donc, je vous conseille quand même, si c'est vos premières figurines, de plutôt terminer par celle-ci. Parce qu'il y a un peu plus de boulot. Elle est aussi un peu plus lourde. Alors, la clé de la cape est vraiment balèze. Je me tâte, non, non, non. C'est vrai que les parties là, les parties de contact, pardon, les zones de contact sont assez mastoc, donc peut-être pas besoin de tigeage. Alors peut-être sur cette jambe quand même qui supporte presque tout le poids du pitou, donc, qui est là. Ouais, je verrai au final, mais je pense quand même que je tigerai au moins la jambe pour être totalement sûr que ça claque pas, parce que elle est assez lourde, elle est assez massive, elle est très dynamique, donc c'est. C'est typiquement le genre de figurine qui, quand on la balade dans une boîte, a tendance à avoir des petits soucis. Donc, bilan très positif sur cette première faction, la faction panocéanienne. Des belles figurines, du détail, du dynamisme et du moulage de qualité franchement premium. Avant de passer au Yujing, je m'arrête très rapidement sur cette page donc, qui vous présente trois schémas possibles, c'est-à-dire officiels, pour la panocéanie. Je trouve ça plutôt cool, c'est une très bonne idée. Faut avouer que quand on débute, voir des figurines aussi détaillées, ça peut faire flipper. Et là, pour le coup, je conseille très souvent d'essayer de reproduire ce qu'on a sur les peintures studio. Quand je dis d'essayer, c'est au moins comme de la peinture au numéro. On va faire un pantalon marron, alors pas forcément ce marron,
On peut le faire vert ou d'une autre couleur, mais voilà, on va faire marron ici. L'as liseré, je conseille de le faire de la couleur de votre armure. Là, de rajouter du blanc, etc. Ce que je trouve bien, c'est au moins de suivre les zones colorées qui ont été proposées par le studio de peinture. Parce que rien que si vous arrivez à faire ça, à placer votre blanc à cet endroit, votre bleu à cet endroit, les lunettes bien propres, le béret, juste avec des aplats et un lining propre, ça peut déjà être très 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 joli. Les pièces d'armure sont petites, il y a plein de zones différentes, donc juste un aplat et un lining propre entre chaque zone et ça rend déjà très bien. Donc ne flippez pas, c'est juste un travail de patience. Et de dilution, vous faites une couche propre et au bon endroit, et c'est déjà joli. Ensuite, si vous voulez changer les couleurs, alors là, c'est une très bonne idée, personnaliser le truc, mais au moins pour le placement des zones, je trouve que ça, c'est très utile, et les photos de bonne qualité, enfin de très bonne qualité, là, sont aussi très utiles. Vous me connaissez, j'ai un gros faible pour cette armure verte, hein, très jolie. Ça, c'est un peu plus classique, et ça aussi, mais j'avoue que ça, je garde ça en tête précieusement parce que ça me plaît bien. On continue avec les Yujing. On a de nouveau trois troupettes de base qui s'appellent cette fois les Sanchi. Là, pour le coup, on est bien content d'avoir le bouquin avec les Yujing parce que les noms sont pas forcément très intuitifs à retenir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par cette demoiselle. Donc celle du milieu, tout en finesse et en légèreté. On a la tête qui vient se mettre comme ça, j'ai une petite carotte là, donc je peux pas vous mettre la tête, mais quand vous voyez le niveau de détail sur le visage pour la figurine métal, et bien chapeau. Donc on a ça, et puis on a juste le petit pétoir. De nouveau avec les clés, hein, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Là, pour le coup, elles ont tout ce système-là qui est très pratique et qui va permettre d'assembler le tout très facilement. Là, et alors je disais mince, mais il est où son bras? Et en fait, le bras gauche est directement là. Donc là aussi, ça va se faire rapidement et facilement. On a ensuite, alors là, j'ai un doute, je vais dire ce gars-là, mais non, ça c'est. Hop! Une demoiselle qui est de nouveau sur la droite, que l'on a ici. Franchement, je cherche les lignes de moulage à chaque fois, j'arrive même pas à les trouver. Donc celle-ci, c'est de nouveau un bras droit et un bras gauche séparés. Mais ça va se faire tout seul. Et le dernier, qui est donc là. C'est le seul gars de l'unité. Hop, là pour le coup, ça c'est de la clé de psychopathe. Là pour le coup, celle-ci, je vous la montre quand même parce que là. Quick! Allez, c'est pas prêt de bouger. Ça c'est top. Ok, simple mais terriblement efficace. Mon second coup de cœur de cette boîte, c'est ce gros bonhomme, donc le Jujak KSR Régiment de choc coréen, un gros gus, oui il est là. Alors par rapport à une troupette, alors que j'ai déjà rangé, faut être organisé. Beaucoup 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 plus massif. La grosse armure comme j'aime. Du montage simplissime, tac. Le bras. Alors là, j'ai une petite carotte, donc ça va pas s'assembler comme il faut, mais c'est normal, ça me fera comme ça. Gros gus. Beaucoup d'armure très très détaillée. Un gros réservoir dans le dos. Et alors, j'ai pas compris à quoi ça servait. Oui, il y a les deux petites genouillères qui sont séparées pour mettre. Hop, fais-moi le focus, demoiselle. Pour mettre ici. Donc celle-ci, j'adore vraiment.
C'est pareil, c'est comme la panneau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est aller directement sur l'établi. Et je vais m'attaquer à ce gros gugus très rapidement parce qu'il me plaît beaucoup. Je l'avais pas forcément repéré au premier déballage, au premier coup d'œil, mais celui-ci, je le kiffe également fortement. Donc l'éclaireur Guy Lang. Quand je l'ai déballé, là, quand je l'ai commencé à l'assembler, et ben ça déboîte aussi. En trois parties, avec juste son petit bras à mettre comme ça. C'est super dynamique aussi, c'est gavé de détails, et le casque là, il est dingue. Je sais pas si je vais arriver à faire un focus, hein, avec les deux yeux qui sont là. Plus les deux petits trous au-dessus, là, on le voit bien sur l'illustration. Ouais, très 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 beau. Avec le manteau, là, pour faire du cuir bien usé. Miam miam miam. Bien sympa. Il va rejoindre mes deux petits coups de cœur sur la table de préparation pour y passer le plus rapidement possible. Chez les Yujing aussi, on a droit à un gars avec une petite épée hein, pour venir mettre des roustes au corps à corps. En l'occurrence, c'est le section tactique d'Aofei. Hop, hop. Qu'on a là. Alors, il est où le cucu? Il est où la tétette? Là. Nickel. Nickel. Mange pas ta fixe pas. Hein. De toute façon, ça fait 10 minutes que je répète que c'est beau et que ça s'assemble super facilement. Là, boah, cette clé de ouf, là aussi. Oui, ça, c'est pas prêt de bouger. Clac, allez. L'épée un tout petit peu tordue, mais rien de dramatique. Ça va se rattraper très facilement. Et on a le pétoir, là aussi. Bien costaud. Ok. Du drapé très futuriste, hein. Ils aiment bien ça, mettre des drapés avec des petits trous, des petits zigouigouis dans tous les sens. Si on veut rehausser chaque petit point ou chaque zigouigoui, c'est un peu galère, mais avec juste un petit trait, un petit surlignage, l'effet waouh est vite là. Cool. Et The Last One, c'est la snipeuse, l'unité embusquée. Undoon, tout en finesse, en dynamisme aussi, avec un très beau drapé. Là aussi, on a un petit élément de décor, vous voyez. Hop là, ça, si tu restes pour l'écran, c'est compliqué. Ça, c'est cool. On a juste à mettre la jambe comme ça. Ok. Le bras droit. Le bras gauche avec le gros pétoir qui tire loin et qui tire fort. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans cette boîte, c'est qu'on a des profils de figurines qui sont très différents. Donc ça amène beaucoup de variété dans le jeu et beaucoup de tactique en fait. Ça va être vraiment un jeu entre le tir, les couverts, les corps à corps. Ça permet de bien découvrir le jeu avec plein de possibilités différentes. Donc je trouve qu'en termes de choix d'unité pour cette boîte de base, ça a été bien réfléchi, c'est malin et ça me semble équilibré. En tout cas, les premières parties que j'ai faites et les parties que je vois sur Internet, le jeu a l'air super équilibré et ça c'est du bonheur. Comme pour la Panocéanie, on vous propose quelques schémas de couleurs. On reste sur du rouge, du orange foncé. C'est la couleur qu'on trouve très 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 souvent chez les Yujing. De nouveau, au moins ça pourra vous guider avec les photos du livre sur de quelle couleur peindre les différentes plaques d'armure. Ça, c'est déjà c'est bien pratique. Donc une fois de plus, une très bonne idée. Comme promis, on va terminer cette vidéo par le gros morceau, à savoir l'ensemble de décors
qui vont vous permettre de monter votre table de jeu. Alors je ne vais pas revenir sur les tokens, les machins comme ça, le matériel de jeu. Vous voyez, je vous les ai déjà montrés, c'est super qualitatif. Je m'arrête juste sur le truc qui est le plus intéressant à mon sens, c'est ça. Les réglettes qui sont graduées soit en pouces, soit en centimètres. Je trouve ça génial. Moi, ça me va très bien. J'avoue que les pouces, j'ai toujours un petit peu du mal. Là, tout est converti en centimètres. C'est super cool. Donc, je vais assembler tout ça hors écran, hors tournage, parce que cette vidéo commence quand même à être un petit peu longuette. Donc, je ne veux pas vous endormir. Je monte le tout et je vous fais un retour sur le montage et sur la qualité finale. Juste une petite parenthèse pour l'instant boulet, j'ai tout dépunché joyeusement en sifflotant. C'est la dernière qui me reste. Vous voyez, ça se dépunche d'ailleurs très facilement. Tac, tac, tac. Là, il n'y a plus que. Et c'est très propre. Mais arrivé à la fin, je regarde les planches dépunchées, je dis, oh, bah, c'est quoi ces petits numéros? Et ben voilà, les petits numéros, ils étaient là. Donc sur le plan qui était sous mon nez depuis le début, il y a. Des numéros qui sont renotés sur la planche et qui vous permettent de faire un assemblage facile. Voilà. Donc, alors, je me fais pas beaucoup, beaucoup de soucis. L'assemblage va quand même être très simple. On reconnaît facilement les planches, mais faites pas comme moi. Je pense qu'il vaut mieux monter tout ça au fur et à mesure. Ça sera sûrement moins prise de tête. Une fois que vous aurez fini l'assemblage, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites barricades, 1, 2, 3, 4 un peu plus grandes et un, deux éléments un peu plus costauds en forme de tente canadienne. Donc les petites, ultra simples, hein, vous avez juste le petit montant à enquiller dessous. Voilà, je crois qu'on a deux ou trois couleurs différentes. Toujours pratique pour se cacher derrière. Les grandes, là, un peu plus intéressantes pour cacher les lignes de vue. Alors, je crois que de mémoire, on doit avoir voilà, deux fois celle-ci, recto verso, et deux fois celle-ci avec gata.aristeia et maximus de l'autre côté. Et donc, ces deux éléments. Là. Et là, ok. Donc, déjà là, il y a de quoi faire, il y a de quoi en mettre sur la table. Le plus intéressant, c'est bien sûr les bâtiments. Vous en aurez deux grands et deux petits dans votre boîte de démarrage. Ceux qui les ont assemblés, ceux qui ont déjà la boîte, savent que c'est pas super simple, c'est pas super intuitif à monter. J'avoue que j'ai un petit peu galéré, j'ai un petit peu pesté. Heureusement que j'ai pas filmé parce qu'il y a quelques gros mots qui ont fusé. Et ce qui m'embête beaucoup, c'est que du coup, ben oui, je les ai un petit peu abîmés. Là, celui-ci a bien dégusté. Celui-ci aussi, ça s'est un petit peu abîmé. Parce que le carton, dès qu'on force dessus, pourtant on a du carton qui est vraiment épais, qui est vraiment solide et pourtant dès qu'on force il a tendance à faire comme de la pâte feuilletée en fait ça a tendance à s'écarter. Bon, c'est pas dramatique, je vais prendre la colle d'écolier de mon fiston et puis je vais resserrer ça tranquillement et ce sera parfait. Mais j'avoue que moi qui suis très perfectionniste, ben, ça m'a un petit peu fait mal au cœur, pour pas dire autre part, d'abîmer ces bâtiments en les montant. Alors l'astuce, et celui-ci, oui, je l'ai même un petit peu plié hein, parce que j'ai trop forcé. Donc c'est du costaud, le carton est solide. On peut le tordre un petit peu, mais faites gaffe, c'est un peu comme de la résine, ça a tendance à se tordre gentiment et clac, d'un coup, on fait la boulette. Donc, faites très 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 attention quand vous les montez. La petite astuce, je pense, j'ai trouvé deux façons un peu plus simples de les assembler. On va dire que la première façon, c'est de commencer par ça. Donc, vous mettez les marches ici, enfin, vous mettez ce côté-là, tac 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 les marches. Ensuite, vous prenez celui-ci, vous l'enquillez comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre toit. Et vous allez le mettre dans les
petit téton. Tac, 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 vous aurez déjà tout ça. Ensuite, pour la suite, vous allez prendre celle-ci, l'enquiller. En fait, à chaque fois, ça s'enquille. Alors là, c'est par le dessus, je crois. Donc, vous allez l'enquiller par le dessus ou le dessous en fonction de où vous êtes, de manière penchée, comme ça. Faites bien gaffe, donc, de ne pas forcer, sinon, ça vous les brille. Donc, vous allez enquiller ça de manière penchée, vous enclenchez et hop, seulement après, vous rabattez pour mettre dans les petits tenons. Idem ici, vous allez enclencher, donc là cette fois c'est par le bas, hop, et vous y allez. Et la dernière, et ben vous allez faire ça, et puis il faudra un petit peu plier, jouer avec les marches et faire jouer un petit peu ça, quitte à y ressortir un petit peu pour y mettre comme il faut. C'est pas simple, mais ça se fait. La deuxième solution qui est un petit peu plus simple, c'est ce que j'ai fait sur les grands parce que j'avais pas encore compris cette histoire de montage. J'ai tout fait. Ça se fait facilement. En fait, ce qui est embêtant, c'est la dernière pièce à chaque fois. Parce que vous vous retrouvez à devoir prendre une pièce qu'on doit rentrer comme ça, dans les côtés. Mais on ne peut pas rentrer puisque on a les tétons qui bloquent. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout assemblé. Et cette dernière pièce, j'ai fait pareil. Je suis venu la rentrer comme ça. J'ai rabattu un peu plus. Et plutôt que de m'arracher les cheveux, le dernier téton, vous le voyez en fait, eh ben, je l'ai coupé. Et là, comme ça, j'ai rabattu là, et juste en jouant sur la souplesse du carton ici, j'ai réussi à enquiller, puisque le dernier téton ne m'embêtait pas. Bon, vous voyez, je l'ai quand même un petit peu abîmé, mais au final, ça a été plus rapide, je pense, que si j'avais tenté une autre méthode. Ne flippez pas hein, pour le dernier téton, même si vous le faites sauter, franchement, vous pouvez y aller, puisque de toute façon, il y a celui-ci. Donc ça sera toujours aussi solide. Voilà, donc je me retrouve avec ce grand bâtiment-là. À l'intérieur, on avait celui-ci là, qui me bottait aussi beaucoup. Je me suis tâté, mais bon, finalement, je suis parti sur le rouge. Je verrai peut-être que je reprendrai un deuxième pack de décors s'il les propose à la vente séparément. Parce que même si j'ai galéré un peu à trouver comment ça allait, ça reste quand même, en termes de rendu final, enfin de compromis rendu final contre temps passé, ça reste très 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 intéressant ces bâtiments. À terme, je suis un peu comme tout le monde, j'aimerais avoir une belle table de jeu en dur avec des beaux bâtiments de partout, mais pour les premières parties, moi ça me convient très bien. Donc j'ai celui-ci. Hop là, j'ai celui-ci. Ok, bon, celui-là, là, le téton, il a bien dégusté. Ça, je pense que je pourrais pas le rattraper, tant pis. Je me ferai violence. Et à l'intérieur, on a un bâtiment beaucoup plus sombre, là, de Mindscore, bon, qui pour le coup m'intéressait moins. Et on a les deux potios. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as fait de rouge? T'es un peu couillon. Je me suis un peu fait bananer par le mode d'emploi. Faites bien gaffe, il est un peu trompeur ce mode d'emploi parce que au final, si vous regardez les numéros, on a l'impression que tous les petits bâtiments se montent comme ça avec l'entrée sur la gauche et on monte comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Et les grands bâtiments, l'entrée se ferait par la droite et on monterait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais et en fait, c'est pas ça. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas vrai entre guillemets. C'est à vous de choisir au final dans quel sens vous montez en fonction de quelle pièce vous choisissez de mettre. Enfin, ça va dépendre de la position de celle-ci et de celle-ci. Et dans le livre de mission, tous les bâtiments qu'on vous présente, c'est avec l'entrée par la droite. D'ailleurs, là aussi, vous voyez, entrée par la droite. Et on monte dans le sens inverse, là aussi, là-bas aussi, et là-bas aussi. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose. Et quand on fait ça, eh ben, on se retrouve avec deux petits bâtiments qui sont rouges. Celui-ci, alors soit j'ai raté un épisode, soit je suis un petit peu boulet, ou un peu neuneux, mais celui-ci, je pense qu'on ne peut pas du tout le faire. On ne peut pas faire de petits bâtiments bleus qui montent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous avez compris comment le faire, alors surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Pour moi, quand on fait un bâtiment bleu, on est forcément
à l'inverse de ceci, et on se retrouve donc à faire des bâtiments qui montent dans l'autre sens. Je viens de dire, c'est pas très important les escaliers. Moi, quand je mets les pieds dans un jeu que je connais pas du tout, et qui a une réputation d'être assez complexe, j'ai tendance à suivre un peu bêtement les instructions, et du coup, je voulais, comme dans le livre de, enfin, comme dans l'émission, mettre toutes les entrées sur la droite, donc j'ai fait ça. Et surtout, mais au final, alors ça marche très bien sur celui-ci, hein, ça me fait premier étage rouge, enfin le rez-de-chaussée rouge et le premier étage rouge, ça fait un peu plus bizarre, hein, sur celui-ci. C'est vrai que j'aurais quand même préféré, quand on empile les bâtiments, vous voyez, ça me fait du bleu en bas, du rouge en haut. Bon, on va dire que c'est pas très très grave, ça reste du Infinity, ça reste très coloré. C'est du pur manga style, donc si on a des étages de couleurs différentes, allez, on va dire que ça passe, hein. C'est comme le commissaire Bialès, hein. C'est bien, mais pas top. Mais bon, ça fonctionne. On peut faire avec. L'intérêt aussi de mettre tous les bâtiments avec l'entrée dans le même sens, c'est que quand on les superpose, vous voyez, ça fait un peu plus, on va dire, réaliste, entre guillemets, hein. Je monte, hop, 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 je bois mon café, je téléphone à un pote, hop, 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 et je monte de l'autre côté. Ça tourne tout dans le même sens. C'est vrai que je vois mal un escalier qui monte comme ça, puis après, on comme ça, puis hop, tac, tac, tac. Mais bon, ça, c'est mon esprit un peu carré, un peu perfectionniste. Qui veut ça? Dans tous les cas, on se retrouve avec un ensemble de bâtiments bien chouettes. Et avec de quoi bien remplir la table de jeu. Donc ce que je vais faire là, je vais tout installer sur le tapis de jeu pour vous montrer ce que vous avez exactement au final une fois que tout est en place. J'avais prévu de vous faire cette séquence finale à l'extérieur et la météo strasbourgeoise en a décidé autrement. Donc on est dans mon bureau, j'ai débarrassé la table pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. C'est juste moins lumineux que ce que j'aurais espéré, mais on voit quand même qu'on obtient au final une table bien 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 fournie, avec beaucoup d'éléments de décor, de la hauteur, des barricades, des obstacles pour casser les lignes de vue, ce qui est très 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 important à Infinity. Les bâtiments, là, les deux que j'ai empilés pour donner de la hauteur, on se met dessus et on canarde tout ce qui bouge. Ça fait toujours plaisir. Le tapis est bien sympa aussi, avec des textures différentes dans tous les sens. On a du sol, un petit peu de neige, des zones plus techniques. Il y a le petit pli là, il y a quand même le pli qu'il va falloir que j'essaie d'aplatir. Mais la qualité d'impression est très très belle. Voilà, donc globalement, très satisfait de cette table de jeu pour des parties d'initiation, pour les premières parties, ça fera parfaitement le job. Donc il n'y a plus qu'à bastonner, hein, tout simplement. Et nous voilà au bout de cette vidéo bien dense au sujet d'Infinity Code One, opération Karlstrom. Si tu es encore là, bravo et merci d'être resté jusqu'au bout. Soit ça veut dire que le jeu Infinity Code One t'intéresse et je pense que c'est une très bonne idée. Soit en fait tu as juste accéléré la vidéo et t'es tombé à la fin. Bon, bien joué. Peut-être que en fait tu kiffes ma voix et ça t'a bercé et si ça se trouve en fait tu arrives à la fin juste parce que tu t'es endormi et tu as AZERTY gravé sur la joue. Donc il est temps d'aller au dodo. Non, trêve de plaisanterie, c'était dense mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Tout simplement parce que le jeu est déjà sorti depuis un moment. J'ai reçu la boîte aussi il y a un moment. J'ai un petit peu tardé à faire cet open the box. Du coup, j'ai bien lu les règles, j'ai bien regardé les figurines, j'ai bien regardé les décors, j'ai regardé aussi d'autres vidéos. Et je voyais pas l'intérêt de vous faire un truc super court, puisque ça a déjà été fait. Je voulais rentrer un peu plus dans les détails pour vous présenter à fond mes premières impressions et à fond le contenu de cette boîte. Au final, c'est un très beau jeu, c'est une très belle boîte. Je pense qu'avec Aristeia pour jeu, on va dire, d'arène un petit peu rapide, avec Dust qui est sur des formats un peu plus longs en termes de parties, mais qui reste très accessible en termes de règles, et avec Code One, j'ai un trio de jeux vraiment différents qui va me suivre pendant un paquet d'années.
Alors, j'exclus absolument pas le papillonnage et les coups de cœur à venir, puisque vous me connaissez, j'ai tendance à les voir un petit peu à droite à gauche. Il y a encore Epic qui me fait beaucoup, beaucoup d'œil. Et puis, j'ai déjà repéré quelques autres jeux aussi qui me titillent, mais je pense que ces trois-là, c'est les trois que vous reverrez fréquemment sur ma chaîne, puisque à l'heure actuelle, c'est vraiment ces trois qui me bottent à fond. Encore un grand merci à Corvus Belli pour cette boîte aux dettes, à Légion Distribution pour le contenu francisé, et à vous tous qui soutenez ma chaîne, qui partagez mes tutos, qui parlez de la chaîne aux copains, dans les associations, sur les réseaux sociaux, etc., etc. À tous ceux qui mettent le pouce vers le haut, qui m'envoient des commentaires, des bisous, des poutous, c'est vraiment super cool. La chaîne continue à grandir tranquillement pour vous et grâce à vous, donc un grand, grand, grand merci. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!